Maintenant, ça, vous allez me demander où ça se trouve dans le Nouveau Testament. Civil, ouais. 1 Corinthiens 7, 38. Wa Korinto wa kwanza saba. Soma yo rafiki yangu. Lisela mon ami. Muki Swahili. En Swahili. Na tuta soma muki France. Et puis nous allons dire cela en français. Unajua? Vous savez, kufanya zambi sio kuifanya tu. Commettre un péché, ce n'est pas seulement le kuyunga mkono ni zambi. Mais aussi s'associer à cela, appuyer. Ou l'appuyer, c'est aussi un péché. Si wanao yafanya tu. Pas seulement ceux qui les font, wale wanaungana na wanao yafanya, mais ceux aussi qui appuient avec, qui s'appuient à ceux qui les commettent. 1 Corinthiens 7, 38, 39. Wa Korinto wa kwanza saba, makumi tatu na nane. Makumi tatu na nane. Basi, yeye ambaye anampa kwa kuoana anafanya vema, na yeye ambaye hamupi kwa kuoana anafanya vema zaidi. Mwenye anaambia fie wake asiolewe, celui qui dit à sa fille de se marier, wala anaambia fie wake aolewe, ou qui dit à sa fille de ne pas se marier, wala anaambia garçon yake aole aowe, ou il dit à son garçon de marier, anafanya bien, il fait bien. Endelea, continue. Makumi tatu na kenda. 39. Mwanamume wake amekufa. Yeye ni huru kuolewa au kama ni veuve. Ou c'est une veuve. Bwana yake haiko. Son mari n'est plus là. Ana ruhusa ya kuolewa. Il a la liberté de se marier. Amen, amen. Twende. Yeye ni huru kuolewa na mtu anayetaka. Ah. Anayetaka. Est-ce que vous écoutez cette chose? Iko na uhuru ya kuolewa na mtu mwenye. Elle a la liberté de se marier à la personne avec. Munyana. La personne anataka. 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 Dont elle veut. Ah, oui. Virgule sas. Là on met une virgule. Katika Bwana. Dans le Seigneur. Mwenye anataka. Celle qui veut. Mais wawapi? Mais katika où? Katika Bwana. Katika. Est-ce que ni mugoma yote? Est-ce que c'est dans tout goma? Katika da abana sema. Yeye ni huru kuolewa na mtu anaye. Bitu binakufa. Là maintenant ça devient grave. Amen, amen. Lisez en français. Lisez en français. Cherchez-moi les versets. 1 Corinthiens 7, 38, 39. Il est libre de se marier à quiconque il veut, seulement dans le Seigneur. Il est tout ni seulement. Mais il doit se marier dans le Seigneur. Mais pas ta. Moi, il n'y a pas ta isome. 38. Moi, mon akamata. Chilo ya mandiko. Mandiko iko na spécificité moya, haichanganyishiwake na vitu. L'écriture a sa spécificité, elle n'aime pas être mélangée. Lisez avec bien aimé. Il y a le Nouveau Testament. Ça c'est le Nouveau Testament. Ok, on y va. 1 Corinthiens 7, 38. 38. Ainsi. Celui qui marie une fille fait bien. Mwenyana wesha musika nafanya vizuri. Ok. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Na mwenyana sema sita kupa fie wangu. Na yanafanya bien. Kama hayaona iko tayari kumkupa na sema uyu sikupe. Na yanafanya bien. Dis ça, je ne te donne pas. Lui aussi fait bien. Amen. Continue papa. 39. 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit où? Dans le Seigneur. Anaruhusiwa kuolewa kwa yeyote atapenda. Elle est autorisée de se marier à n'importe qui elle voudra. Mais iwe wapi? Mais que ce soit où? Wapi? Où? Dani ya Bwana. Dans le Seigneur.
Est-ce qu'on lui permet d'aller en dehors du Seigneur? Non, non. Iwe ndani ya Bwana. Que ça soit dans le Seigneur. Atafutie mubenya nayo abako ndani ya Bwana. Et doit chercher parmi ceux qui sont dans le Seigneur. Amen, amen. En dehors ya benya nayo abako ndani ya Bwana. En dehors de ceux qui sont en dehors de ceux qui sont dans le Seigneur, c'est prohibé. Maintenant, ça ça. Mutaniambia frère. Vous allez me dire maintenant frère. Manaku natanambia. Donc tu veux nous dire paka tuba mukanisa yenu tu. Que ce seulement soit dans notre église. Ngoe nikupe citation. Attends, je vais te donner la citation. Regardez à l'invisible. Kutazami ici onekana. 3 octobre 58. Tarehe 3 octobre 58 mwaka. Tanzia ku paragraphe 12. Kwenye mtaji wa 12. Il y a quelques jours, j'ai suivi une émission à la radio. Kuna pita siku nilikuwa nikifuata matangazo kwenye radio. En venant à l'école de dimanche. Nilipotoka kwenye shule la Jumapili. Et c'était une table ronde avec les adolescents de Louisville. Nilikuwa ni mazungumzo pamoja na wa vijana wa Louisville. L'une des choses importantes. Moja wa mambo ya muhimu. C'était qu'une fille trouve le garçon aux yeux aux cheveux bouclés. Ilikuwa kwamba binti amekuwa anapopata. Anapopata kijana mwenye kuwa na nywele nzuri kichwa. Nzuri kichwani. Ou que le garçon trouve la fille aux très beaux yeux bleus ou bruns. A wakati kijana naye anampata binti mwenye kuwa na macho ya blue. Qu'est-ce que cela change-t-il? Hiyo itabadilisha nini? Ça semble être la chose importante pour un adolescent. Hiyo inaonekanaka kuwa kitu cha maana kwa mais kijana. Ce n'est pas la chose la plus importante. Lakini haiko ile njo jambo la maana sana. La chose la plus importante c'est de trouver Dieu, Alleluia. Votre créateur. Jambo la muhimu kwako kijana sana ni kumpata Mungu aliye muumba wako. Ne contractez pas des mariages mixtes. Musifanye ndoa za mchanganyiko. Mariez un garçon qui croit exactement comme vous. Olewa na kijana anayeamini mia kwa mia sawa wewe. Tuangaliane mu macho. Amen, amen. On peut se fixer le regard dans les yeux. Alléluia. Tuangaliane mu macho. Regardons-nous dans les yeux. Nilibambia. Je vous ai dit. Tutasamba. Nous allons comparer. Tutasamba. Nous allons comparer. Watasamba. Et eux aussi comparaîtront. Amen. Tutasamba. Nous allons comparer. Tutasamba. Vous allez comparer. Watasamba. Ils comparaîtront. Ne contractez pas de mariage mixte. Et dit. Musifanyake ndoa za mchanganyiko. Marie un garçon qui croit exactement comme vous. Olewa na kijana anayeamini sawa sawa na wewe. Maintenant, nisimame kwa pale kadoko. Maintenant, on peut d'abord se tenir là un peu. Sawa sawa na wewe. Qui croit exactement comme vous. Mana kenini. Ça veut dire quoi? Uko uku? Tu es ici? Yeye iko nasuka nywele kule? Elle est là en train de tresser là-bas? Kwenu abasukake. Chez vous on est tressé. Munaamini sawa sawa. Est-ce que vous croyez exactement? Iko na vala pantalon? Elle porte son pantalon. Bamkanisa yenu habavalake. Le sœur de votre église. Munaamini sawa sawa. Est-ce que vous croyez exactement comme? Kule iko naomba bikira Maria? Là elle est en train de prier. Wewe uko naomba Yesu. La Vierge Marie, toi tu pries Jésus. Munaamini sawa sawa. Est-ce que vous croyez la même chose? Non non. Iko nakunya pombe, elle prend la boisson. Kwenu hamuigusake. Chez vous ne touchez même pas. Munaamini sawa sawa. Est-ce que vous croyez la même chose? Iko nenda ku sabato, elle part au sabbat. Wewe hauendaki ku sabato. Toi tu ne pars pas au sabbat. Munaamini sawa sawa. Est-ce que vous croyez la même chose? Non non. Yeye wakati kuna shida ndaka kwa padiri. Chez eux, quand elle a un problème, elle part chez le prêtre. Oui, on est d'accord quoi, pasteur. Et toi, tu vas chez le pasteur. Mukishawana, quand vous vous marierez, maintenant, quand les problèmes viendront dans le foyer, elle va aller le matin chez le prêtre. Parce que c'est lui qu'il croit comme son. Kila imani inasindikizwa na mtumishi. Parce que chaque foi est accompagnée par un serviteur. Amen. Il ne peut pas y avoir une foi qui n'a pas un serviteur qui le prêche. Exactement. Comme vous. Eti sawa sawa na wewe. Sasa wakati natoka mwasamble yenu. Mena kati kita dans votre assemblée. Unaenda muzengine makanisa. Tu vas fréquenter d'autres églises. Zenye hamuamini sawa sawa. Lesquelles vous ne croyez pas exactement. Wakita mariage mixte unatomboka. Mena kao napele mariage mixte toi tu tombes. Ule mwenye ulienda tafuta munaamini sawa sawa. Celle dont tu es parti chercher, est-ce que vous croyez exactement? Amen, amen.
pole pole. Lentement. Nilibambia. Je vous ai dit. Nitahubiri mwahubiri. Je vais prêcher cette prédication. Sawa yangu ya mwisho. Comme ma dernière prédication. Si je mourrai. Nikufe. Que je meurs. Kama ndaishi. Si je vais vivre. Niishi. Que je vive. Na mwenye atakuwa ananiuliza maswali. Et celui qui me posera des questions. Ndakwenda mtumie audio mimi na nyamaza. Je vais juste lui envoyer l'audio. Kama anafuate bien. Parce que vous devez suivre maintenant très bien. Amen. Qui croit exactement comme vous? Eti, anaye amini sawa sawa na wewe. Kama uko wakwa bikira Maria. Si tu es de la Vierge Marie. Owa wakwa bikira Maria. Marie-toi avec celle de la Vierge Marie. Amen, amen. Mwe munaomba Maria pamoya. Que vous puissiez prier Marie ensemble. Siku Mungu atabatembele ya. Le jour que Dieu vous visitera. Mutaamini Yesu. Vous allez croire Jésus. Mungu nendeleta wakwa Maria. Maintenant toi tu nous apportes celui de la Vierge Marie. Mwe yuko wa mumesaje. Toi quelqu'un qui croit le Ananda message. Ananda kuliza Branham njonani. Et il commence à te poser la question. Qui est Branham? Ndo unaanza kufasilia sasa. Maintenant tu commences à lui expliquer. Amen. Tu vas amener un témoin de Jéhovah. Et il te demande que, ne crois pas, que vous allez hériter la terre. Toi tu dis nous serons enlevés. Maintenant il te pose la question. Nous allons hériter la terre. Toi tu lui dis nous serons enlevés. Débat. Le débat commence dans le foyer. Chérie, tu l'allais. Ah chérie, nous pouvons dormir. Qui croit exactement comme vous? Et tu anaye amini sawa sawa na wewe. Tu mets le foulard, il te regarde. Moi je ne crois pas à ces choses. Nous pouvons partir et ne t'as enlevé déjà ces choses. Tu lui dis, je ne peux pas enlever mon foulard. Bon, allons seulement. Vous arrivez à l'église. Tous ont des foulards. Toi tu n'en as pas. Le mari est en train d'avoir l'amertume. C'est seulement la mienne. Elle m'a causé honte dans cette église. Amen, amen. Hey. Qui croit exactement? Eti anaye amini sawa comme vous. Sawa na wewe. Donc mbele meme wanze kusema ndachagua nani? C'est-à-dire avant même que tu ne réfléchisses, je vais choisir. Cercle lisha katiwa zamani. Déjà le cercle est tracé. Oui oui. Depuis longtemps. Vous katwi le cercle. Juste aller en dehors de ce cercle. Mariage mixte. Amen. C'est le mariage mixte. Ndoa ya mchanganyiko tayari. Il est néno exactement. Ce mot-là exactement. Il est néno presque. Ce n'est pas dit presque. À peu près. Ce n'est pas dit à peu près. Oh, karibuya. Non. À peu exactement. Bali sawa sawa. Un un. Moja moja. Deux deux. Mbili mbili. Bleu bleu. Blue blue. Noir noir. Yeusi, yeusi. Jaune et jaune. Kimanjano, kimanjano. Exactement. Sawa, sawa. Ok. Sawa. Tunaweza wana. Ok, nous pouvons nous marier. Unasema ye fi. Comment tu dis ma fille? Mina suka kanyuele. Oh, moi je tresse les cheveux. Kwetu haba sukake. Chez nous on ne tresse pas. Bon. Na ki décide kukufuata. Et si elle décide de te suivre? Jou ya ndoa. A cause du mariage. Memuro yake hamuamini sawa sawa. Mais dans son cœur vous ne croyez pas exactement. Amen, amen. C'est le mariage qui vous unit. Amen, amen. Mais les choses dans lesquelles tu l'as trouvé, c'est ça sa foi. Amen, amen. Quand vous vous êtes convenu, quelle position qu'elle avait initialement? Amen. Quand tu lui dis, je vais te marier. Ok. Frère Branham, continue. Car après tout, c'est Dieu qui est la chose la plus importante. Et ce que nous devons faire sur la terre, c'est de le servir. Et si vous vous mariez ou quoi que ce soit, contrairement à cela, vous payerez pour cela dans les jours qui sont devant vous. Vous ne devez jamais oublier par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Et nous regardons à l'invisible. Na tutazamie isiyoonekana.
Laissez-moi vous dire en Swahili. Il y a des choses dont si tu te trompes, tu pars te marier contrairement à ce dont nous sommes en train de prêcher. Tu payeras. Les jours à venir, tu dois voir ce que. Et tu dois signer. Et si Branham est un prophète, tu n'échapperas pas. Amen. Les années passeront. Cette femme commencera à tresser les enfants. Mais comment suis-je en train de tresser mes enfants? Et elles sont encore petites. Et maintenant l'esprit de Dieu est rempli dans elle. Elle est en train de déverser ça sur les enfants. Amen, amen. Mais c'est l'homme qui est juste s'est humilié pour qu'il te trouve. Après t'avoir trouvé, maintenant il montre ses griffes. Amen, amen. Tu commences à lui demander quelque chose. Moi je n'avais pas accepté vos histoires. C'est parce que tu m'avais dit qu'on devrait se marier. Maintenant tu es en train de me surveiller pourquoi? Maintenant là tu commences maintenant à fumer. Tu commences à faire sortir la fumée dans les yeux. Amen, amen. Et qu'il n'y a personne qui va dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas le mariage qui faillit pendant que ce sont Selon le pourcentage, les frères qui se sont mariés étant dans la foi, leurs problèmes en couple sont petits que ceux qui se sont mariés en mariage mixte. Le nombre de mixtes qui passent dans les troubles. Le nombre est très élevé par rapport à ceux qui se sont mariés n'étant pas de mariage mixte. Et si vous voulez dire que c'est le mensonge, menez une enquête. Tu peux mener une enquête. Vous rencontrerez que nombreux qui se sont mariés comme ça, ils ne sont pas stables. Amen. Le prophète a déjà dit que vous payerez. Amen. Maintenant, comptez-les. C'est-à-dire que même l'église qui a autorisé le mariage mixte contribue à la déstabilisation de ces foyers. Amen, amen. Parce que quand ils seront en train de payer, c'est toi, pasteur, qui toi tu seras en train de dormir chez toi. Maintenant il commence à pleurer. Oh, il est déjà tombé. Il est parti dans ce lit. Il a embrassé cela. Maintenant vous allez voir. Maintenant là au début, comment est-ce qu'il s'était marié? Ali, d'où est-ce qu'il a tiré cette femme? Attention. Angalisho. Croire le même Dieu ne veut pas dire croire la même chose. Kuamini Mungu mumoya haimaanisha kwamba mnaamini sawa sawa. Apa? No. Maneno mnataka sema wengine hawaamini Mungu. Mais vous voulez nous dire que les autres ne croient pas Dieu. Wanaamini Mungu. Ils croient Dieu. Mais hatuamini sawa sawa. Mais nous ne croyons pas la même chose. Amen. Nisiseme kama hawaamini Mungu. Moi je ne dis pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Wanaamini Mungu. Ils croient en Dieu. Mais hatuamini sawa sawa. Mais nous ne croyons pas exactement. Ngoja nikupe citation. Maintenant attendez que je vous donne la citation. Amen. Amen. Amen, amen. Pole. Lentement. Pole, muni hurumie. Pardonnez-moi. Si joue comme ni sukuma. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse. Mais si kuzitakuya mutabiona kat. Les jours qui viendront. Unabitu Mungu alinambia sitakisema. Il y a des choses que Dieu m'a dit dont je ne vais pas parler. Sitabisema leo. Et je ne le dirai pas aujourd'hui. Ndabisema kasiku zinakuja. Je le dirai dans les jours à venir. Oui. Ndabambia seme nilikuwa kanabambia. Et ces jours-là je vous avais dit. Amen, amen. Pole. Mwende pole. Muko munazala. Ndio. Vous entrez d'enfants. Leo habiku intéressé. Aujourd'hui ça t'intéresse mais pas. Mais qu'est-ce que tu as maziba? Mais demain les enfants vont pousser les sangs. Oui, oui. Leo, aujourd'hui c'est qui? Écoutez. Les résultats de la décision. Matukio ya kuamua. Paragraphe 53. Mtajo wa 53. Oh la 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 la. Le jamani jamani. Il les a tout embrié là. Aliwa furuga kule. Et ils se sont mis à se marier. Waka
Fikia kuwana. A contacté des mariages mixtes. Wakafanya ndoa za mchanganyiko. C'est ainsi qu'ils ont fait aujourd'hui. Nani vile walifanya na leo. Lorsque vous avez commencé à errer. Wakati ulianza tanga tanga. Si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu. Ungelibakia kwenye mustari. Mu. Mu mustari wa Mungu. Munge. Si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu. Kama mungelibakia mumustari wa Mungu. Vous n'auriez pas fait ces choses. Hamungelifanya yale mambo. Marier les croyants avec les incroyants. Muoane wa amini kwa amini. Kuowesha. Kwa wasio amini. Marier les croyants avec les incroyants. Kuowesha wa amini na wasio amini. Avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors. Wenye wako ndani kesho wako nje. Et d'autres. Na wengine. Marier ceux qui ont été mariés deux ou trois fois. Kuowesha wenye walishaka oh na kuolewa mara mbili. Et ceux qui avaient trois ou quatre femmes. Au wakawa na wanawake wa ine au watano na mengine. Et les mariés de nouveau. Kuowesha upya tena. Voilà la vieille doctrine de Balaam. Ona yale mafundisho ya zamani ya Balaam. Les événements modernes rendent clair par la prophétie, paragraphe 114. Si matukio ya sasa yanawekwa wazi na unabii. Balaam a dit. Balaam alisema. Nous sommes. Hata hivi tuko. Que nos enfants se marient entre eux parce que après tout nous croyons le même Dieu. Watoto wetu waoane sababu hata hivyo tunaamini Mungu mmoja Bwana. Tunaamini Mungu mmoja. Nous croyons le même Dieu. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Namna gani wawili wanaweza tembea pamoja wasipopatana? Comment pouvez-vous marcher avec Dieu si vous n'êtes pas en accord avec sa parole? Utatembea pamoja na Mungu namna gani wakati haupatani na neno lake? Comment pouvez-vous ajouter ce credo et autre à cela quand il vous est ordonné de ne pas le faire? Ou plutôt recommandé de ne pas le faire? Eti, namna gani sasa unaweza ongeza masadiki za uongo? Kumandiko. Kumandiko. Na ulisha katazwa kubifanya, na ulisha mleo kama havipashwi fanywa hivyo. Amen. Vous ne pouvez pas le faire. Hauwezi fanya hivyo. Il n'y a pas moyen de le faire, frère, sœur. Hakuna njia ya kufanya hiyo ndugu dada. Vous ne pouvez pas mélanger ce qui contient du levain avec ce qui n'en contient pas. Hauwezi changanya kitu chenye kina chachu ukichanganya na chenye kiko na chachu. L'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Mafuta na maji haviwezi vikachanganyikane. Les ténèbres et lumière ne peuvent pas se mélanger. Giza pia na nuru haviwezi vikachanganyikane. La lumière est si puissante qu'elle chasse les ténèbres. Alléluia. Nuru au mwangaza inakuwaka na nguvu kiwango inasukumaka tu giza. Amen. Qu'il n'y ait personne qui va dire que moi j'ai injurié les gens que ce sont des Balaam. Amen, amen. Moi je n'ai cité les noms des personnes. Celui qui va te dire, tu lui dis si tu le fais, tu es Balaam. Amen. C'est tout. Et ça finit par là. Ah, oui, oui. C'est pas moi qui l'appelle comme ça. Vous devez croire aux Écritures. Amen. Nous croyons les mêmes dieux. Et si tu n'as pas mis mon moya. Bah non, bah kaboté mon gufasi. Ah, on prie Dieu partout dans. Frère, nous avons les mêmes messages, frère. Et tu nous, tu n'as aucune moya. Message moya, je vais connaître par moi, bah na fanya bini bini na ba usfany. Le même message pendant qu'il y a les uns qui font ce que les autres ne peuvent pas faire. Aïe, comme un message, je ne veux pas qu'on allait te banamou ke bami. Et c'est pas dans le même message où les autres marient quatre femmes. D'où est-ce qu'ils ont tiré cela dans les messages? Ce n'est pas dans ces mêmes messages que les gens disent que Jésus est déjà revenu. D'où est-ce qu'ils tirent cela? Et ce n'est pas dans les mêmes messages où les gens sont en train de dire là de haut que les morts sont déjà ressuscités. D'où est-ce qu'ils ont tiré cela dans ces messages? Amen. Amen. Amen.